Thank you.
qui racine, qui sont derrière nous, toutes choses sortent un peu de ce contexte-là et on se pose des questions. Mais je pense aussi que les choses, les remarques, ont évolué. On a compris aujourd'hui que finalement, je suis une ambassadrice non seulement de l'Afrique, de la TDC, mais je suis aussi une ambassadrice du Grand Katanga, du Grand Katanga pour laquelle aujourd'hui, et donc c'est une fierté pour le Grand Katanga que je salue. Je salue d'ailleurs plusieurs membres du forum et le Bambashi Rocket qui me suivent, les membres de ma famille, le Kokomazi, le Bambashi, Politasi, je les salue. Alors je peux dire que je reste fier à toucher mes racines et que je suis finalement heureuse de faire ce métier. Alors je profite pour saluer tous les membres de la Constitution et la Kinshasa et notre président de la Constitution, Stéphane Moulin. Qui me suis maintenant, Barbara Canal, on a souvent dit que c'était plus facile. J'ai même mon bonheur, toute famille, on peut dire, ta petite soeur, et ma conseille Marie, ou mon ami, mon père, mais la sœur Marie, c'est mon nom, c'est pour mon tir, pour mon conseil, qui est pour moi, mon ami, mon ami. Mais il t'aime aussi, on a eu des points complexes que tu as parlé un peu. Parce que tu as appelé qui tu as passé, vous êtes appelé M. Annie, pour y aller, vous êtes appelé. Tu as déjà mis la somme dans le même temps, c'est pour le monde. Merci pour la team, pour le monde. Tu es dans la même place, comme le dit, mais moi, je pense que moi, j'arrive comme un cheveu de la soupe. J'ai jamais participé à un concert parce que papa, moi, ça m'a dit tellement, tellement sur vraiment le principe. Donc, ma pensée, mon papa, ma fille, alors moi, j'ai toujours des choses dans un monde que je ne connais pas. Avec une mentalité que j'ai d'habitude, avec une langue que je maîtrise, que ça peut être difficile. Mais finalement, ma famille, ma souris, j'ai même une petite soeur qui a commencé à oui, donc ils ont compris que c'était un métier à part entière et que c'est une chérie aussi finalement. Ma mère qui est très très croyante, mon père, il vient dans mes concerts, il m'assiste et j'aime le sens de la famille parce que pour moi la famille, je dis toujours que c'est le socle. Donc tous mes concerts, j'ai toujours toutes mes soeurs, mes frères avec moi et leur amour, leur soutien me fait beaucoup de bien. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes en train de rappeler que nous avons la divine dans la musique de ce qu'il y a, la Maracana, sur ce plateau. Et nous sommes en direct. Vous pouvez nous appeler aussi pour faire vos interventions. Donc, gauche et droite, même et rien. Donc, on appelle à l'aide, c'est le passage de l'heure. Après, bien sûr, Tati, c'est une chanson, c'est un rang. Alors, Tati, c'est un kibimba. Un kibimba. Kibimba. Vous voyez que la beauté, mon chat, mon chat, il est là. Ma mère est mon bimba. C'est une chanson qui présente beaucoup de choses pour moi. Moi, j'étais très attachée à ma grand-mère. Ma grand-mère, cette fois-ci. Ma grand-mère paternelle, je ne l'ai pas connue. Donc, je porte le nom quand même. Mais ma grand-mère maternelle, qui s'appelle Madeleine Cassavé, est une femme extraordinaire. Qui m'a mis les démarches à l'église, mais qui aussi m'a mis au village. Et qui m'a permis à cette culture. Donc, mon esprit est grandi, tout est dans le village. Tout est dans le village, tout est dans le village. J'ai arrêté la bande, j'ai été avec la partie, on s'est mis autour d'un sol, avec mes familles, mes grands-mères, de mes femmes belles, d'une beauté incroyable, naturelle, comme toi. Je pense qu'il était un petit peu. En tout cas, je me suis mis autour d'un sol, et on commençait à le changer, j'ai pu le connaître, mais en fait, aujourd'hui, je réalise que tous ces contes, qu'on appelle des contes, c'était pour nous apprendre de valeur, pour apprendre à respecter son mari, pour apprendre à respecter les autres, aimer ses enfants, à vivre en société. Et ça, je pense qu'on a un petit peu perdu. Et ça m'a rattaché à mes racines. Voilà pourquoi, partout où je vais, je suis fière de dire je viens de quelque part. Je viens de la RDC, je viens de quelque part. C'est ma culture, c'est ma racine, ce sont mes racines. Et c'est ça mon identité. Et il faut qu'on les garde. Et je me dis dans cette musique que je fais, j'ai choisi, j'ai fait le choix, malgré ma carrière internationale, de rester attaché à mes langues, à ma culture, parce que c'est mon pays que je voudrais rendre avant tout. Après Titi, nous allons entendre quelques chansons. Alors moi, j'avais envie de vous faire voyager, parce qu'on parle de la culture congolaise. Je voudrais vous faire découvrir, comme beaucoup de gens connaissent d'ailleurs, un grand, grand guitariste congolais qui s'appelle Jean Bosco Mandoué. C'est pratiquement le pionnier de la guitare acoustique. Il a des prix extraordinaires. Il est allé en Allemagne donner des cours de guitare. Son jeu de guitare, d'ailleurs, dans beaucoup de chansons, il a inspiré plusieurs musiciens. Et moi, j'ai envie d'essayer un petit peu de vous faire partager une chanson que j'aime bien, qui s'appelle Bébé, 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 Bébé,
spettateurs sont un jeudi. Nous sommes en direct sur digital.com, comme tous les dimanches, sur la vie, c'est pour s'imposer. Le docteur Jeff, une certaine équipe de Bande de qui nous fait maintenant. Et merci encore de plus à toutes ces personnes qui nous suivent, mais partout, qui nous servent, nous avons aux États-Unis, au Canada, en Australie, et surtout aussi au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Gabon, Zami, merci donc à vous tous. Thank you.
Sim, que eu chego na pena, eu falei, se você só consegue ter a minha vida certa.
Nos avons tous médité chacun dans son domaine. On a dit tout, parce qu'on estime que quelqu'un se passe un temps. C'est pas pour les bruits. Tu sens tous associés. Ah, non, je sais que c'est un peu comme ça que tu n'as pas de traite. Donc, à qui c'est passé un temps, on estime qu'on a mérite, on a souffert chaque chose, on est content. Mais qu'est-ce que vraiment, nous, pour les bruits démocratiques, je trouve aussi sur nous content dans nos 60 ans? Parce que c'est un étage que Patrice et Mélanie Moulin nous avaient dit, de ce combat, est-ce que nous sommes vraiment fiers? Parce qu'à 60 ans, on peut dire que oui, allez, nous sommes indépendants, effectivement, nous sommes souverains. Nous devons nous prendre en charge, ne pas compter sur les autres. Ce pays est capable de nourrir toute sa population. Ce pays est capable de vivre aussi bien de personnes parce que nous sommes les quatre femmes du monde. Alors, pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi nous sommes en train de nous tirer? Parce qu'il ne serait pas pauvre, mais tu sens qu'on pense des écoutes. Donc, il mérite pas de bon. Thank you.
Que é a desafio, além do que eu consigo saber,
σε κάθε που ενδεχόμενο γίνεται και μου κάνει σε πολλά συζητήματα, μου γίνεται τη δουλειά μου σε κάθε τόπο. Σκέφτομαι τον πλήρω, αλλά στρέμω σε κείμενο σε κάθε τόσο πάνω, αν το μεγάλο σε όλα μικρό κάτσετ, αν πέσω το γαμό πρέσετ, έχω το μόνο πασίνο, και γύρω μου, γύρω από την ιδέα, μου γίνεται να σε το κρόντα και θα μας φύγει αυτή την μουσική, και συμβαίνει ότι είναι σύντομη, ήταν πολλά λεπέμβουλη, αν σε ζημεύει, πέσε μη, ένα λεπτό, μη αντοσοτιά, μη και να προβελεύει, να σε συνεκρή να ζέπει, αλλά τη γάμη μου δεν κόμπω που τσουλά, σε την φορά την benediction pour moi. Donc, je la remercie, je la soutiens. Et je sais combien ce n'est pas facile d'exister, de rester, d'enseigner des amis un peu plus fins. Moi, j'imagine tout ce qu'elles ont traversé. Maintenant, moi, je les ai envie parce qu'elles étaient au salon de l'époque. Moi, la médecine nous a raqué beaucoup de choses. Je pense que c'était beaucoup plus facile avant. Mais en même temps, elles sont restées et elles continuent de me donner de la joie. Et puis, elles nous ont inspiré. Partout où on va, on essaie toujours, ça, ce sont des références, donc elles méritent tout notre amour, tout notre respect et toute notre considération. Vous avez pour moi-même choisi une des chansons de Mohamed Sidharat que tu as faites avec la chanson de Billy Abel. Tout ça, ça s'est passé pendant le maquillage ou le bébé en mai. Comment tu les as faites? Absolument, il y a eu la libération de l'âme de Mohamed. Parce qu'il était tout à fait de la fidélité de l'âme qu'on n'a pas dit quand on va parler de la chanson de quelqu'un, c'est un plus pour lui parce que déjà, il a joué des groupes. C'est très important. Et puis quand quelque chose vous prend, ça veut dire qu'il y a une personne en vous, sinon vous ne répondrez pas. Mais en même temps, je le fais parce que nous sommes tous à l'heure même tout. Nous avons quelque chose à l'heure, c'est donc il fallait que vous ne parlez pas moi. Et ça m'intéresse à ce qu'elle m'a fait. Et voilà, ça a été un amour pour moi. Je l'ai fait pour lui après parce que je me dis, il n'y a pas les amours racontés à celui d'accueillir. C'est aimer nos éventuels. C'est pas parce que nous avons tout fait leur témoigner ma gratitude et toute notre affection. Et ça, je l'ai fait, pour lui après. Yeah.
fosse que fosse uma pessoa mais velha, se chegar aqui na cor, já me mudou, eu te pegava uma montanha, eu te apoio, eu te pegando, 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 eu
J'ai choisi le plus beau métier. Thank you.
merci beaucoup. Ah, c'est pas le cas. Ah, merci pour moi, pour moi, c'est pour moi, 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 pour I'm